Bonjour, je m'appelle Laure Bouguin, je suis la fondatrice de Ocaran. Ocaran, ça veut dire « je vous aime » en breton. C'est une marque de soins à base de chanvre breton. Tout est fait dans la région et nos produits sont naturels, vegan et utilisent toute la plante. Le chanvre a beaucoup de propriétés, ça dépend vraiment de la partie de la plante que vous allez utiliser. Donc par exemple, nous on va utiliser l'huile. L'huile est issue des graines, donc les graines vont être pressées à froid tout au long de l'année et elles sont extrêmement riches en acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6. Elles ont un ratio optimal de 1 à 5, de 1 à 6. Donc là, elles vont venir hydrater la peau, la régénérer. En profondeur, vous pouvez aussi l'utiliser en alimentaire, en cuisine par exemple. On va utiliser également des cannabinoïdes comme le CBD, le cannabidiol, qui n'est pas psychotrope. Par contre, il est apaisant, relaxant. Donc on peut l'utiliser aussi bien sous la langue pour venir aider à un peu relâcher, apaiser, enlever le stress, l'anxiété, aider à mieux dormir. Vous pouvez aussi l'utiliser, parce que c'est un super antioxydant, directement sur la peau, comme on peut utiliser du collagène par exemple pour venir repulper les traits. Et puis on va utiliser les terpènes, donc qui sont les molécules olfactives qu'on utilise en aromathérapie qui donnent cette odeur si spécifique à la plante, en huile essentielle par exemple en diffusion. Et on va même mettre du chanvre de par la tige dans nos cartons des produits. Pour cultiver du chanvre, on commence par planter une graine autour du 15 mai. Les plants vont grandir jusqu'au 15 août environ. On va venir ensuite couper les tiges au niveau du haut de la fleur pour récolter les graines, qu'on va ensuite sécher, trier, presser pour sortir une huile végétale de chanvre qui est cosmétique et ou alimentaire. La récolte de la fleur se fait avant la récolte des graines où c'est pareil, on vient venir couper, sécher et conditionner pour avoir deux produits qu'on peut ensuite assembler et mélanger pour faire des cosmétiques à base de CBD. Pas. Il y a une différence au niveau de la variété utilisée pour le cannabis dit récréatif qu'on fume, même si le cannabis industriel peut aussi être fumé. Mais il n'y a pas les effets psychoactifs ni les interdictions sur le produit. Il n'y a aucun risque qu'on en utilise, sachant surtout qu'il n'y a pas du tout de cannabinoïdes dans la graine et dans les extraits de fleurs, on est sur des taux très très faibles conformément à la législation. On va venir lutter contre le stress issu de la pollution, la déshydratation issue soit du froid, soit d'une problématique de peau initiale, les problématiques de sommeil qui est quand même le mal du siècle chez les urbains. C'est vraiment une plante très complète qu'on va travailler sous plein de galéniques différentes.